Mascouche, Golf Alpha Kilo Whisky, on prend piste 1-1. Merci, merci. Donc on va se poser avec vous. Non, non, c'est bon, c'est bon, on s'est annoncé, il n'y a personne qui arrivait. On va y aller, c'est excellent. Donc on va tenir, regarde, c'est ton manche au neuf, comme ça, à peu près trois doigts. De même, c'est pas pour toi, tu regardes ça de même, et viens dans la gauche. Viens chercher ça. Voilà, doucement, tranquillement, c'est pas grave. Donc mets ta main gauche sur les commandes. Oublie pas qu'en mettant pleine puissance, l'année va vouloir aller à gauche. Descends tes pieds jusqu'en bas. N'utilise pas tes freins. Regarde loin devant, n'utilise pas tes freins. Descends tes pieds, descends tes pieds, descends tes pieds. Ah, ça. On regarde ça, mets ta main sur les contrôles. Ta main droite sur la puissance, et quand t'es prêt, on va y aller. On met pleine puissance, on regarde loin devant et on reste au vent. C'était juste les pieds qui travaillent. On met pleine puissance, dans le fond, dans le fond, dans le fond. Ma couche, on décolle piste 1. Mets pied à droite, mets la puissance dans le fond. Et voilà, et dans le fond, parfait. On regarde ça de même, les pieds travaillent bien, les pieds travaillent bien. L'avion veut voler, on va aller coller le nez sur l'horizon. Donc on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et voilà, c'est tout. Et le nez pas plus haut que ça. Excellent. Et on vole. Oh, la suite. On pousse. Et voilà. Comment tu trouves ça? Malade. Ouais. C'est malade même. Donc vas-y juste avec ta main gauche, ça va être plus facile. Si tu trouves que c'est portant, tu peux te donner un coup de trim dans le sens que tu es en train de forcer. Comme ça. Et voilà, si tu regardes là, elle tient beaucoup mieux là. Ça tient plus facilement. Mascouche, Golf Alpha Kilo Whisky en montée initiale à 500 pieds. On poursuit dans la vue de piste et on quitte à droite pour Mirabelle. Donc on s'en va vers les usines là-bas. Parce que la 640 s'en va de même. La piste est là. Encore. Et là commence à faire ton virage pour aller dans le lien avec la piste. Voilà. Juste un. Bien. Regarde loin. N'inquiète pas trop, ça vaut pas la peine. Réduis encore un peu ta puissance. Et tu peux sortir tes volets un autre 3 secondes. On va les réduire. 1. En poussant. 3. Parfait. Et on regarde le nez bas. On regarde le nez bas. Comme ça. Place ton trim. Bon. On réduit encore la puissance au complet, là. Vas-y, réduis. Parfait. Mirabelle, là. Ici, Alpha Kilo Whisky. On s'arrête à la finale de 0-7 pour un pause de décoller. Ensuite, remonter virage à droite pour ma couche. Alpha Kilo Whisky, rangé dans 0-5-0-5. On met tous les volets, on peut les descendre au complet. Voilà, c'est tout. C'est là comme ça, excellent. On réduit encore la puissance jusqu'au minimum. On la laisse complètement. Au plat au complet. Complètement vers ça. Voilà, on laisse l'avion descendre. On travaille plus. Donc, il garde sa main sur la puissance. C'est au cas où qu'on ait besoin d'en remettre, c'est déjà là. Donc, on ne tire pas, on ne pousse pas. Parce que si tu tires, on ralentit. Si tu pousses, on accélère. L'angle qu'on a là en ce moment, c'est l'angle parfait pour l'approche. On va juste mettre un poil de puissance de plus pour aplatir l'approche. On n'est pas obligé de viser au 0-6. On vise au premier tiers, comme ça, c'est parfait. Excellent. On regarde loin devant, ton nez, ton assiette, il ne faut pas qu'elle bouge. Garde ta main, ta puissance. On tire pas dessus. On continue d'approcher. On continue d'approcher. On regarde loin devant. Et tranquillement ici, vole par-dessus la piste. Fais juste voler par-dessus la piste. Et là, tu réduis ta puissance en faisant une assiette câblée. Tire. Pour que ce soit un peu plus fort. Tire encore. Tire. Il faut que ce soit fort ici. Tire encore. Ah oui, file-le. Tire complètement. Tu sais, il y a du jeu là-dedans. À ma couche, ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment que tu viennes à... complet. Oui, à tirer. Puis c'est graduel, cette chose-là. On remonte les volets. On remet ça. Ça, c'est d'avant. Ça, c'est bon. Donc, remets ça au neuf. Fais les contrôles au neuf. On contrôle avec les pieds au sol. Et tu mets pleine puissance, on remet ça. Donc, les ailerons neufs, c'est juste les pieds qui travaillent. On va y aller, c'est juste les pieds. Regarde loin. Vas-y, la puissance dans le fond. Là, cette puissance, là, ça va être contrôlable. C'est bien loin. Regarde loin. La puissance dans le fond. Dans le fond. Ah ouais, bien sûr, dans le fond. Et elle est prête à voler. L'avion est prête à voler. On sait. Voilà.
Pas trop cabré, juste un peu moins de ça. Voilà, ça c'est bon. Pas trop non plus. Juste le nez, tu le fusionnes avec l'horizon. Et tu places le trim si tu travailles trop. Garde les ailes droites tout le temps. Parce que dans le cadre de l'enseignement, on va faire des manœuvres, décrochage, vol d'entrée, ça prend, s'il y a une zone pour ça, on ne peut pas faire ça du contrôle. Par contre, l'avion, il y a rien qui nous empêche de faire comme le Goliath à la ronde, des jets négatifs. Donc, on va se mettre à grimper comme la colline de notre fameux Goliath, puis après ça, tout va être en suspension pendant quelques instants. Ça, c'est bon. En même temps, pour la caméra. Oh! Ah, ben, hein. C'est ça. C'est le gars dans son radar, il y a une espèce de... Ah, là, de flèche vers le bas. C'est pas si c'est ça, ça. Tiens, ça donne mes contrôles. Vas-y. Tu veux la faire du popcorn, là, sur Internet? Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais la vrille, c'est quand même intéressant. Ah, ben la vrille, je pense ça de même, là, puis là, l'avion, au lieu de la sortir en ligne droite, tu lui donnes un coup de pied, genre, puis là, elle slide sur le côté, puis elle se met à tourner comme ouais. Ça. Là. Bon, tu prends les contrôles, puis on s'en va. Tu sais, il y a un gros toit blanc encore ouais, avec ouais, ça. Ça, 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 on s'en va comme ça. De bref, c'est l'usine de... Marco, Alpha Kilo Whisky, on tombe final de temps. Juste un petit virage devant les ventes avec l'autre. Ça, c'est pas déçu non plus. Ça fait long pour arriver en marche. On veut t'aligner en mettant à droite un peu. Parfait. C'est un peu plus tard, voilà. On peut sortir tous les volets avec en final ici. Excellent, ils sont tous sortis. On réduit un peu la puissance. Voilà. C'est tout. On va mettre ça sur le sol. On vise le premier terre, maintenant regardez la piste. On regarde l'emblème. C'est où est-ce que tes fesses ils vont frapper. Tes petites corrections. Quand tu vas danser avec l'avion. On regarde tout à droite. Donc on regarde loin devant. Loin devant, loin devant. On ne tire pas dessus. On commence à réduire la puissance, garde ta main dessus. Réduis-la, réduis-la, réduis-la. Et là, assiette câblée. Tranquille, comme ça, tranquille, attends. Pas facile. Câblée, 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 faites la force. Voilà. Faut vraiment, faut pas que tu t'essayes comme ça. C'est vraiment comme ta swing de golf, tu y vas graduel en tirant, en tirant, en tirant, en tirant. Parce que le point de poids possible, c'est de revenir à chaque fois. On vient ralentir un peu avec les pieds. On tire. Pour le moins de poids possible sur ta route, surtout quand on prend. Ok, on peut lâcher les freins et on s'en rend la prochaine fois. Ça sert à rien. On met du pied à gauche, on suit le trajet. Tranquille. Mascouche, on libère piste 1-1 sur Charlie. Et on arrête après la ligne. Donc on fait un arrêt complet ici. Excellent. Good. Comment t'as trouvé ça? C'est malade. C'est vraiment... Bon, le check-in, c'est bon, on va s'occuper des problèmes.